On est dans une plantation de manioc. Donc en premier, la forêt est brûlée sur une parcelle, ici 4000 mètres carrés à peu près. Le bois qui reste par terre, qui ne brûle pas, servira pour allumer les fours qui feront la farine plus tard avec les racines de manioc. Les racines de manioc qui sont comme ça, mais là elles sont petites encore, c'est pas la saison. Ensuite, ils coupent des tiges comme ça en morceaux de 10 cm. Ils font des petits trous, facile à faire, parce que le sol est sableux. Et ils mettent deux par deux des petits bouts et ça repousse pour l'année d'après. On a un autre petit tubercule qui commence à pousser. Et il faut venir entretenir 3-4 fois par an pour les herbes qui poussent, les arbres qui repoussent aussi rapidement. Voilà la plantation de manioc en forêt amazonienne. Tout autour, c'est la forêt, sur des centaines de kilomètres.